Look out! That mark! What in the... It can't be. Can it? Caught you napping, old man. You too? What's with everybody all of a sudden? Not that I'm complaining. You're up, partner. Ah!
Oh, yeah! The Invincibles take the final! And what a final it was! Stick around for the award ceremony, folks! We did it, man! We won. It wasn't easy, though, huh? That was the toughest tournament yet. Thanks for seeing it through with me, partner. Hey, the grand prize is something called the Rainbow. Word is, it's worth a bunch of dough. How about we sell it and split the... Félicitations, c'était vraiment incroyable ce tournoi, par contre c'est vraiment dommage ce qui est arrivé à Vince. Mais il est mort ? Il paraît qu'il ne devrait pas être hors course trop longtemps, ah non. Malgré tout, j'imagine qu'il paie toutes ces années de combat. Non, moi, à mon avis, c'est plutôt écroulé à cause des trucs qu'il a bu là. Il repousse de toute façon la cérémonie de remise des prix jusqu'à ce qu'il aille mieux. Tu vas devoir rester un peu plus longtemps champion. Ah d'accord. Enfin, tu m'étonnes. J'allais pas pouvoir prendre le rameau et dire « Bon bah, je lui filerai sa part, salut. » On s'arrangera, donnez-le-moi. Ta chambre à l'auberge. Bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller à l'auberge? D'accord, faut qu'on aille dormir, bon bah, ok. On va faire ça vite fait. Je suppose qu'il y a quelque chose qui va nous attendre, une petite surprise, quelque chose. Ou alors Vince aurait mimé une attaque. Il aurait joué la comédie. J'étais en train de penser à ça, là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé, là. Cette affaire de cambriolage, les mystères que nous cache Vince. On va forcément comprendre à un moment ou à un autre ce qui se passe. It's me, Rab. I need a wee word with you. Can I come in? Le mec, il s'appelle Rab en VO, quoi. C'est vous dire à quel point les mecs, ils changent complètement les prénoms dans les traductions. Mais quel intérêt, quoi. Théo. Enfin, Théo ou Rab, de toute façon, c'est pourri. Just you in here, eh, laddie? I was hoping to speak to your pals, too. Could you ask them to join us? Ouais, j'espère que c'est pour me parler de la marque sur ma main et que c'est pas pour nous chourer le premier prix. It's Jade, the lassie I was fighting with in the tournament. She's missing. I've looked all over town, but she's nowhere to be found. Oh putain, ça y est, je sais ce qui se passe. En fait, je me demande si... Enfin, c'est une supposition. Je me demande si c'est pas Vince qui kidnappe les combattants et qui enferme leur âme ou leur puissance de combattant à l'intérieur d'une espèce de fiole sacrée sous forme d'élixir ou je sais pas quoi. Et ça le rend super puissant, en fait, parce qu'en lui, il a la puissance de plusieurs combattants. Ça le rend invincible, en fait. Ça doit être ça. Et il a kidnappé Jade. I can't help but worry she's got herself caught up in something. Will you help an old man look for his wee friend? Mais bien sûr, Pépé. You're a star. With yourself and your pals here to help, I'm sure we'll find her in no time. C'est bien parce que tu me rappelles mon grand-père. Right. The last place anyone saw her was over by the orphanage. Let's start there, shall we? Ah ouais. Bah ça pue. C'est Vince.
Ok. Bon, alors peut-être que... On va peut-être se taper un boss final, hein, du coup. Dans la ville, ce serait énorme. Peut-être dans l'arrière-cour qu'il y a en bas... Qu'il y a tout en bas à gauche des escaliers, là-bas. Mais si Vince est bien invincible, je me demande quel tour on va pouvoir lui jouer pour le vaincre. Je voudrais voir votre oncle, les gamins. J'aime pas ça, Ismaël, j'aime pas ça du tout. Tonton Vince a disparu, il était censé dormir, mais il n'est plus là. Ouais, je me demande si les gamins sont pas un peu de mèche. Hein. Enfin, ils leur demandent de nous jouer des tours. C'est passé quelque chose de bizarre dans le jardin. J'aimerais bien aller faire un tour dans la chambre de Vanquish avant. Voilà, on peut y rentrer maintenant. Parce que là, déjà, il y a un livre, je l'avais vu pendant la cinématique. Mémoire d'un chasseur de trésors. Les aventures d'un humble chasseur de trésors. J'espère qu'il pas... Qu'il parviendra au moins à distraire ceux qui décideront de le lire. Mon nom importe peu, mais si vous, si vous devez le prononcer, vous pouvez m'appeler simplement Manonyme. Qu'est-ce donc qui m'a incité à entreprendre cette quête? Eh bien, la récompense d'un million de pièces d'or offerte par le premier ministre de Zwardrust. Je le prononce pas bien hein, à chaque fois, mais c'est plus facile de dire Zwardrust ou Zward. C'est Zwardrust. C'est chiant. Pour trouver un certain objet qui n'y est pour rien. Ouais. Qui n'y est pas pour rien, ouais, bon. La légende raconte qu'il y a plusieurs centaines d'années, lorsque l'éclairé revint de l'Yggdrasil, il aurait rapporté quelque chose avec lui, le rameau irisé. Ah, attendez, ça va être intéressant ce bouquin. En entendant que cette petite branche pouvait faire de moi un millionnaire, je n'ai même pas pris le temps de faire mes bagages. Ah, c'est pour ça qu'il voulait remporter le combat aussi, Vanquish. En un clin d'œil, j'étais sur la route. Il avait entendu parler de ce rameau irisé. Cela marqua le début des aventures de Manonyme, le chasseur de trésors. Bon, on va aller le trouver. Je pense qu'il est dans la cour. Il y a un trou dans le mur, là. J'ai peur, Sniff. Tonton Vince, où es-tu? Ouais, il dort à moitié. C'est quoi ce bordel? Il a disparu, on avait fouillé tout l'orphelinat. Tout ce qu'on a trouvé, c'est ça, un escalier qui va sous terre. Ouais, derrière toutes les caisses qu'il y avait ici, il y avait un passage secret, en fait. Où ça mène? Bah, qu'est-ce que j'en sais? Je suis même pas d'ici, moi. Il doit avoir une cachette secrète où il prépare ses potions, à mon avis. Oh la vache, putain, je m'attendais pas du tout à ça. Un donjon. Ok, bon. Donc, bon, on est accompagné par le PP, hein. Il était pas avec nous tout à l'heure parce que dans les zones intérieures, les acolytes ne vous suivent jamais. Mais comme Sylvandos et Veronica et Serena, comment dire... avant qu'on les recrute, totalement, je veux dire, ils sont, ils nous accompagnent physiquement comme ça avant de ne plus jamais nous accompagner. Ok, alors attendez. On va essayer de faire ça de manière méthodique. Là, je crois que c'est un cul-de-sac, mais il y a quelque chose à ramasser, c'est sûr. Un râle en toile. D'accord. Je vais snober les ennemis qui me paraissent pas très intéressants. Hein. Vous m'excuserez. Petite chauve-souris rouge, on s'en fout un peu. Les zombies. Je suis pas spécialement fan. Je suis pas contre quelques petits combats, mais il faudrait que ce soit un minimum intéressant, quoi. Surtout qu'on vient d'en faire plusieurs. Alors attendez, on est à un embranchement, donc on va commencer par la droite, parce que c'est un cul-de-sac, donc il y a forcément un trésor. Toujours dans les cul-de-sac. Oh merde! Oh putain, encore à chaque fois le zoom, bordel. Je me fais toujours avoir à chaque fois qu'il y a un mob qui me saute à la gueule, comme ça j'appuie sur le stick. Mais,
minerai d'argent. Bah, c'est pas là qu'on vient de monter tout de suite et de récupérer quelque chose. Je comprends rien, moi. Ah non, c'est un autre passage. Autant pour moi. Autant pour moi, d'accord. Attendez. Oh putain! L'énorme troll! Attendez. Je vais d'abord aller fouiller les cachettes au trésor. Et après on va se faire le... On va se faire ce mob là. C'est la première fois que j'en vois aussi gros là. Ce mob là je l'ai jamais croisé. Encore une mini médaille putain, mais rendu au point où on est. Je sais toujours pas à quoi servent les médailles, hein. C'est un truc de ouf. Les espèces de livres sur le forgeron qui voulait forger des médailles là, qui était parti depuis Yoto, j'ai toujours pas trouvé, rencontré ce mec. Ah, il y a du minerai. On va bien longer la paroi pour éviter que les oiseaux se réveillent. Voilà. Alors. De l'or, de l'argent, super. Tout ça c'est très bien. Alors, je crois pas qu'on puisse forger des bijoux en argent, ça c'est dommage. Je crois qu'on peut en forger qu'en or. Bon, en même temps, je crois pas que ça a une grosse différence sur les stats. Allez, on regarde ce qu'il vaut, lui. Loul, il est accompagné d'une bulle, quoi. Et leurs designs sont tellement énormes. Je kiffe. Ok. Alors, Eric. On va placer un casse-caillasse sous le gros, là. Le troll. Bah, c'est un troll, tout connement. Ouais. Sors. Alors, attention. Lui, faut pas qu'il nous attaque trop souvent. Hein. Merde. Oh putain. Ouais, là il faut qu'on défonce le troll. Hein. Véronica, elle va y passer. On va la soigner du coup. Au moins ça soigne toute sa barre de vie, c'est efficace. Putain, mais elle sert à rien cette bulle. On va les garder, mais Cercle de l'Apocalypse invoque un pentacle magique qui augmente énormément les chances des membres de votre équipe de lancer des sorts critiques, ouais. C'est pas l'un des meilleurs. C'est utile, mais... Véronica... non, pas attaque, putain. Un bang. Putain, mais il faut faire quoi pour toucher la boule en métal, là? Eric... What? Raté? Mais on va le tuer comment? Attendez, il y a quelque chose de spécial à faire pour tuer les ennemis en métal? Attaque. Sort, je vais lancer de la foudre sur le troll. Bien joué, Pépé. Aptitude... accéléro sur Véronica. Ah super, elle se barre. Je me demandais comment on allait buter cette merde. C'est elle qui commençait à me gêner plus que le troll. Alors, non, pas attaque, putain. Qu'est-ce que je vais lui faire? Bah, un crâne, hein, je pense. Oh, bien joué, papy, là. Ça, c'était efficace. Alors, Serena... Ah, elle a toujours que la tornade, hein.
Ça y est, il fait mille. Fait pas bien mal, mais c'est toujours ça de prix. Oh, joli là, la parade de la massue. On va tailler ce gras, moi. Je te le dis. Ouais, en fait, c'est ça. Le sort de Bang, en fait, si vous l'envoyez sur un seul ennemi, il est très efficace parce que sa puissance est concentrée. Mais si vous utilisez le Bang... ça rapporte de l'XP, mais ça ne rapporte pas beaucoup d'or. Si vous utilisez le Bang, par contre, sur un groupe d'ennemis, la puissance du sort est divisée. Et du coup, il est beaucoup moins efficace. Donc là, il faut que je retourne sur la droite... On va essayer de pas se perdre, hein. À gauche. Merde, lâche-moi, connard. Ah putain, j'étais empêtré dans les toiles d'araignée, là. Ah la vache. Il m'a bien eu. Ouais, mais le problème, c'est que... Est-ce qu'on peut fuir? J'aimerais bien garder l'état hypertonique de mes personnages, en fait. Et on va le perdre si on fait trop de combats. Bah ouais, mais à chaque fois, c'est ça. À chaque fois, il nous empêche de fuir. J'ai essayé, hein. Mais on peut jamais fuir, en fait. Oh la vache! Cette boule de morve. Ok. Je pourrais utiliser Serena pour le soigner du poison. On va plutôt essayer d'endormir l'un des zombies. Ah, ça n'a pas marché, tant pis. Alors, anti-poison sur... ah oui, mais Véronica est presque dead. Oh la vache. C'est à qui, là? Ok. Véronica... on va commencer par un super décéléro. Et avec Ismaël, je vais utiliser un crâne sur les zombies. Putain, ils attaquent toujours les mêmes, les enfoirés. Qu'est-ce que je vais faire? La foudre sur les zombies. Voilà, parfait. Véronica. J'ai baissé la défense du coucou mécanique. Oh merde! Bien joué, papy. Allez, on en profite pour soigner Eric. Voilà. Ah, super. On en a trois qui sont... qui sont frais, là, pour un combo d'équipe. Ça nous laissera... Ouais. Alors, faudrait qu'il reste tous les trois hypertoniques. Ça m'emmerde et je suis pas sûr que ça va durer longtemps. Tu m'as donné un conseil, Itachi, c'est de mettre les personnages qui étaient hypertoniques en réserve et de ne plus les utiliser. C'est pas con, sauf que pour l'instant, vu que j'ai que 5 personnages, j'ai pas beaucoup de choix au niveau de la des personnages que je peux mettre en réserve, en fait. Quand j'aurai Jade et Théo, là je pourrais faire ça souvent, mais là pour l'instant Alors Eric, est-ce qu'on peut endormir les coucous mécaniques? Oh putain, ça lui fait pas de dégâts. Est-ce que la glace, ça la ralentit? Ça lui fait quelque chose, oui, mais c'est pas ouf, hein. Oh putain, ça lui fait pas grand-chose. Ah si, il est paralysé, super.
Ah, parfait. Not bad at all. Eh ouais, Pépé. Tu nous connais pas, mais tu vas apprendre à nous connaître. Bon, par contre, je vous parie... J'ai une chance sur deux pour qu'Ismaël soit plus hypertonique. Hein. J'ai pas vu, mais... Ouais, Ismaël n'est plus hypertonique. Voilà. Non mais tant pis, hein, on va continuer comme ça, c'est tout. Non, fous-moi la paix, toi. Non ! Ah putain, il m'a lâché, énorme. Ah ! Alors, attendez, là. Voilà, c'est là. Je crois, hein. Oui. Non ? Ah merde, non, c'est par là qu'on vient, je me paume. What? Non mais... Un coffre piégé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain mais j'ai jamais vu ça encore. Il se croit dans Dark Souls là ou quoi? Bon, il nous a... Ouais, par contre moi il m'a pas raté. On peut pas fuir cet ennemi en plus. Là, je suppose que la boîte peut prendre feu, on va lui faire une explosion. Oh putain, il encaisse bien. Hein. Non. Ouais, elle peut pas faire de décéléro, elle. Bon. Illusion. You brought this on yourself. Ah, ça marche. Exhale la laine fraîche. Oh merde, il a endormi Serena, le bâtard. Putain, je vais perdre mes personnages hypertoniques à cause de cette connerie là. Et je crois que ça veut dire que quand la boule clignote, vous voyez autour de la tête de Véronica, ça veut dire qu'elle perdra bientôt son statut hypertonique. Ça faisait ça tout à l'heure pour Ismaël aussi. Et je vais plus avoir mes personnages hypertoniques pour le combat. C'est quand même abusé, hein. Je les ai eu hypertoniques, vous allez voir que je vais en avoir besoin tout à l'heure et je les aurai pas. C'est ouf, quoi. À quel point là-dessus je suis poissard. Quand même. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait crever. Qu'est-ce que c'est que ce coffre à la con? Cool. Un coffre pour nous récompenser d'un coffre. Ok. Bon, bah au moins, c'était une bonne petite surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, en plus, on est plus très loin du boss, mais je me demande si je ferais pas mieux de, comment dire, de faire intervenir Silvando dans l'équipe, là. Vous voyez, Véronica n'est plus hypertonique. Voilà. Donc, moi, je sais pas quoi faire. J'ai remplacé Silvando récemment par Eric, parce que maintenant qu'il a le poignard empoisonné, je le trouve... et avec l'aptitude somnifère, il peut être utile, Eric. Et le problème, c'est que j'aime bien garder les filles, parce que ça me donne beaucoup de pouvoir magique, et j'aime pas me séparer d'Ismaël. Donc, écoutez, tant pis, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. On va passer par là. On va zapper les squelettes, gladiateurs, là, parce que... On s'en fout un petit peu. Ouais, il y a une porte rouge au fond, ça doit être...
Ça doit être la zone du boss. Enfin, je sais pas si c'est un boss, hein, je vous dis ça, on va avoir un combat de boss, ça se trouve, il y aura pas de combat de boss, mais... Je serais étonné quand même. Ah bah si, c'est là. Du coup, je devrais peut-être commencer par aller voir... Si c'est là-bas que se cache Vince, je devrais peut-être commencer par aller voir de l'autre côté. Voilà, bon, lui, il nous voit... Il nous voit vraiment pas, hein. Il est aveugle, le troll. Ah, une feuille d'Yggdrasil. S'ils nous la mettent là, je pense que c'est pas pour rien. On va peut-être en avoir besoin. Ouais, ça devrait aller. Alors au niveau des PM, on n'est pas forcément... c'est pas forcément good pour tout le monde, mais... on va faire avec. Quoique, alors attendez. Ouais, j'ai fait beaucoup de transvasements au niveau des items, là. Oh, j'ai pas envie de m'occuper de ça maintenant, c'est chiant. Par contre... les graines que je viens de choper, là, ce serait peut-être pas mal de les manger. Graines de compétences. Un point de compétence. Ah oui, mais c'est pour des compétences, d'accord. C'est pas pour... ça va nous donner un point de plus pour débloquer des talents, je veux dire, c'est ça. C'est pas pour augmenter la force, l'agilité ou des trucs comme ça. À nous deux, Vince. Oula, t'es flippant, Vince. Hey, brought you a fresh one. Ah non, il nourrit une araignée, vous rigolez? Oh putain. Oh. She's perfect. Just perfect. A warrior maiden of great skill. I smell it on her skin. We must drain her of her essence while she is still fresh. Quickly, give her to me. Got it. I won't be needing you to carry me any further, thanks. So this is who's behind it all. Sir Hendrik must have missed one when he cleared the monsters out of town all those years ago. Nicely done, lassie. Attendez, elle a fait exprès se faire capturer pour comprendre ce qui se passe. I hope you'll forgive me, but we had a wee rummage around in your room, Vince. The liquid I found, that's what you drink before your fights, isn't it? What your friend here squeezes from the fighters you kidnap. That was you? Perhaps not all humans are as stupid as our muscle-bound friend here. That's right, old man. Hendrik scarred me, but he did not kill me. The extract. It was the only way to regain my strength.
So I had Vince bring me the choicest morsels. And why would he help me do such a thing, you ask? Because I offered to share the fruits of my labor, to give him strength beyond imagining. Who could refuse such a juicy offer, I couldn't keep on winning forever. And if I wasn't winning, I wasn't bringing in the money we needed for the orphanage. Ouais, ok, mais c'est horrible ce que t'as fait, mec. Sorry, partner, but I can't let those kids down. Which means I can't let you and your friends leave. Non, mais t'es sérieux? Come on, not now! Oh, will you look at yourself, laddie? Do you not see what that stuff's doing to you? That foul fluid wasn't meant for human consumption. It's eating you from the inside out. It's a miracle you're still alive. I guess cedars never prosper, huh? Spent at last, old friend. Such a shame. Then I suppose I'll have to deal with you myself. Keep that thing busy. I'll see if I can get those people down. Arachtogon. Ok. Hendrik, t'as pris ton œil gauche, moi je vais te prendre ton œil droit maintenant. Ok, alors là, on a intérêt de faire attention à ce qu'on fait là. Parce que je pense que sinon on va se faire défoncer. Qu'est-ce que je pourrais faire moi? Attendez, j'ai débloqué un autre sort ou quoi? Ah, moi j'ai le soin partiel maintenant aussi. Ah, c'est bien ça. Ok, comme Serena. Ouais, comme d'hab. Hein. Oh bah, alors là, Pépé, franchement, tu m'épates. Eric. Alors attendez, on a toujours un combo d'équipe. Ah oui, on peut faire la terre brûlée. Ouais, c'est pas le meilleur, mais il va être utile. Il faut que je le fasse avant qu'il ne soit plus hypertonique. Ça va la blesser à chaque fois qu'elle attaquera. Tiens, prends ça dans ta gueule. Oh putain. Ok, donc moi, je suis sous poison. Faudra déjà commencer par régler ce problème. Parce que sinon, je vais continuer à perdre des points. Alors, herbe curative... est-ce que j'en ai une plus puissante? Antidote puissant. Pas mal. Sort. J'ai pas l'impression qu'elle envoie du poison, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait trop de pouvoir magique.
On va commencer par réduire le nombre, la fréquence de ses attaques. Oh putain, vous êtes dégueulasse. Que les sorts puissent rater comme ça, surtout pendant des combats de boss, c'est vraiment un... Enfin, vous nous foutez dans la merde, là. Hein. Perhaps this will help. Bon, là, faut que je l'attaque, même si j'ai pas tous mes points de vie. Ah, ça lui fait des dégâts, c'est bon. Non, ça sert à rien. Je pense pas que je puisse l'endormir, mais bon. Oh la vache! What? C'est quoi cette attaque de ouf? Bon, ok, donc là on doit soigner Eric sinon on le perd. Bien joué, papy. Alors lui il est vraiment utile. Putain, je vais crever là. C'est pas juste. Elle était pas censée attaquer une deuxième fois de suite comme ça. Mais stop! C'est abusé, quoi. Comment elle enchaîne alors que je lui ai mis... Ah non, le sort de qui réduit ses attaques... Il a raté, c'est vrai. C'est le sort de qui a fait baisser ses défenses qui est actif. Putain, là, on va perdre du temps à se soigner, quoi. C'est ouf. Merci, papy. Heureusement qu'il est là, lui. Sort. J'essaierai bien la torpeur, mais... Est-ce que je vais pouvoir l'endormir? J'y crois pas du tout. On va réessayer. C'est bon, ça a marché. Bon, là j'ai pas trop mal géré, c'est bien. Sort. Un bang. Ah merde, y a plus la terre brûlée. Ça fait vachement de dégâts. La terre brûlée n'est plus efficace. Ça, c'est emmerdant. C'est à Serena. Ah, il faut qu'on soigne. Hein. Il faut qu'on soigne Eric. Le problème, c'est que Eric, ouais, il a pas 50 attaques différentes. J'ai l'impression que l'aptitude pour parer avec cet ennemi-là, elle va pas être très utile.
Voilà, j'hésite. J'hésite beaucoup. Il est toujours sur décélérou, l'autre, là. Oh putain. Oh la vache. Mauvaise gestion. Mauvaise gestion. J'ai perdu Véronica. Encore une fois, Véronica elle crève maintenant, mais presque à chaque boss, quoi. C'est lourdingue. Serena. Non, au niveau du soin, ça va. C'est quoi, rappel? Ah putain, mais oui, mais en plus j'ai une feuille de l'Yggdrasil. Attendez, on va utiliser la feuille de l'Yggdrasil. Ah ouais, mais sauf que... Qui a la feuille de l'Yggdrasil, quoi? Ça doit être Ismaël. Ça doit être Ismaël, putain. On va essayer de lui envoyer de l'anti-magie. Elle commence à faiblir, là. À tous les coups, ça va pas marcher. Et voilà, comme par hasard. Attendez. Non, c'est pas du sommeil. C'est pas du sommeil. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux sortir Ismaël de sa, de son état? Il est pas endormi. Ah, je pourrais paralyser... Alors, attendez. Parce que lui aussi, il a un coagulant, et ça, je viens de le voir, je m'en rappelais plus. Guérir un allié de la paralysie. Ouais, mais est-ce que c'est ça, la paralysie? J'ai essayé le coagulant sur... sur l'araignée. Elle est pas affectée. Super! J'ai niqué une plante pour rien. J'aurais dû m'en douter en même temps. Serena... Allez, réveille ta sœur. Super, merci. Ok, J'hésite à me soigner ou à attaquer. On va attaquer. Faut qu'on la bourrine. Oh la pute. Ah bah oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est vraiment le moment. Oh putain, il a raté Serena, encore heureux. What? Il attaque tout seul, l'autre. Alors attendez, là. Il faut absolument que je le bloque. Ouais, t'es gentille cocotte là, mais ce que tu vas faire, hypertonique toute seule là, ça sert à rien. Est-ce que t'as quelque chose pour sortir les autres de leur état là? Et rend 60 PV. Oh, c'est, je vais gâcher ça. Qui c'est qui est sous paralysie là? Eric et Ismaël. Ah bon, ça marche pas, d'accord. Autant pour moi, du coup j'ai utilisé. Putain, là ça va pas du tout là. Comment vous pouvez savoir, vous, les trucs qui fonctionnent, les trucs qui fonctionnent pas? C'est ouf ça. C'est indévinable. Hein. C'est à qui là? C'est à Véronica? Véronica, faudrait qu'elle se soigne.
Et putain, mais débloque Ismaël! On prend cher. On prend cher, je perds trop de temps. Ah bah oui, bien sûr. Et voilà, mais deux fois de suite, mais excellent. Bah oui, non mais tout est normal, quoi. C'est n'importe quoi. Ah voilà, mais on va y passer. Mais bien sûr. Attaque-moi trois fois d'affilée, tout est normal. Oh putain, heureusement qu'il est là, lui. Et voilà, il le renvoie aussitôt dans les abysses. Non! Mais putain, c'est tellement abusé! Le combo d'équipe, il va servir à rien. Bah ouais, mais elle va attaquer derrière. Et là, les deux n'ont plus aucun... On va essayer, mais... C'est peut-être pas une bonne idée. Heureusement, on n'est plus que deux. Putain. Ah, accéléro sur Ismaël. I hope this helps. Mais putain. Elle attaque trop souvent. Le problème, c'est pas tellement ses attaques, c'est qu'elle attaque beaucoup trop souvent. Mais vous allez me faire croire, remède puissant, grelot. Qui c'est qui a la feuille de l'Yggdrasil, sans déconner? J'ai pas vu qui c'est qui l'a obtenue, quoi. Je l'ai même pas dans l'inventaire d'Ismaël, donc je peux même pas réanimer les autres, quoi. C'est abusé. Putain. Back on your feet now. Heureusement que le grand-père nous aide. Parce que sans lui, je vois pas ce qu'on ferait. Oh merde! C'est à qui là? C'est à Véronica? Bon, ça commence à aller un peu mieux. Ouais, moi faudrait que... Bah ouais, mais maintenant je peux... Ah si, je pourrais me soigner du poison.
Mais il faut vraiment qu'on le bourrine pourtant là. Overcheaté. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis désolé, ça doit même pas être très intéressant. Regardez tellement je me fais mais bourriner, quoi. J'essaye juste de survivre, quoi. C'est tout ce que je peux faire, en fait. Herbe médicinale. Les dames d'abord. Ah, quand même. Serena. C'est bon là. Je pense qu'on tient le bon bout. Bien joué. Putain. Perhaps this will help. Non! Oh putain, c'est abusé! C'est abusé, mais vous pouvez pas me paralyser trois personnages sans déconner, quoi! Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr! Et c'est quand est-ce que c'est à mon tour de jouer, là? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce combat de ouf, quoi? Elle paralyse trois personnages et après elle est tabasse, quoi. Et moi pendant ce temps-là je peux pas jouer. Alors que j'ai un accéléro, quoi. C'est ouf. J'ai presque plus de. Ouais, j'ai plus assez de PM. Voilà. Voilà. C'est pas la peine. Et vous voyez pourquoi je gueule en fait ? Je gueule pas parce que je trouve ça naze ou parce que... C'est parce que ça m'agace, en fait. Je trouve que les ennemis nous bourrinent, mais tellement. Et que moi, en fait, j'ai pourtant l'impression d'utiliser tous mes sorts et tout ça. Et malgré tout, mais... Je suis trop dans la souffrance, en fait, pendant le combat. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace et que je trouve désagréable, en fait. Alors, c'est bien parce qu'il y a un petit suspense. Hein, on sait jamais qui va l'emporter. Je suis pas sûr d'y arriver. Mais voilà, ça manque de... De mon côté, je triomphe pas avec panache, quoi. Je m'en prends plein la gueule et je finis par y arriver, mais vraiment... dans la souffrance. Heureusement que ça vaut le coup. I just keep getting better. On apprend des nouveaux sorts. On monte des niveaux et je distribuerai tout ça plus tard.
and don't come back. I had no choice. A third-rate fighter like me, I was never gonna make enough dough to keep the place open. Ouais, en fait, il avait pas d'autre moyen de gagner les combats, quoi. Mais on a toujours le choix, mec. So when I heard that voice, drifting up from down here, right beneath the orphanage, I listened. All I had to do was help him out, and he'd make me the toughest fighter around. Seemed like a pretty sweet deal. So I said sure. I wanted to win the tournament so bad, needed that money so bad, I let him use me. I knew it was wrong. But that orphanage, man, that's where I was raised. Those kids are my family. I had to do it. I had to. So you let your desire to help the Bairns get the better of you. Well, there's certainly been greater evils done for less good. Tell you what, I'll have a word or two with the mayor. Don't worry, lad. We'll make sure the orphanage is looked after. So chin up, eh? Just don't let me catch you making deals with nasty beasts again. Sir, I don't know what to say. Wakey, wakey, little soldier. Come on now, time to get up. I said wake up! Morning, darling! Putain, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es flippant. Hate to drag you out of bed, but we need to head up to the arena. That prize they never got around to giving you? Well, they want to hand it over. Let's get moving. If you're looking for me, I'll be in the cheap seats. Don't forget to give me a wave. Everybody, it's time to bring this year's Masked Martial Arts Tournament to a close. It's prize-giving time. Ladies and gentlemen, I give you our champions, the Invincibles! And now, to present the prize. Hold up! Hold up! Seems kind of a shame to have the good folks of Octagonia come out and support us and not give them a show to enjoy. Why don't we make this interesting? I challenge you to a fight for the prize, partner. Winner takes all! Non mais il est sérieux, lui? C'est quoi son problème? Ladies and gentlemen, the gauntlet has been thrown down! Now that's the stuff champions are made of! No backing out now, unless you want a ride on your hands. Fooled you.
I don't do that stuff no more. I fight clean or not at all. Now let's do this. Je suppose que c'est le seul moyen de nous départager pour le rameau, hein, remarquez. Il le veut pour l'orphelinat, donc. Très bien. Vous foutez de moi? Maintenant qu'il a pu la potion, ça veut dire qu'il sait plus se battre? Je comprends pas, ça sert à quoi d'évaluer la situation sans déconner? What? Oh putain, le noob! Ah mais sans la potion, c'est une grosse merde! C'était normal? Enfin, je lui ai fait un coup critique, mais ça c'est du bol. Tonton Vince, il a pris cher, là. It's all over! The champ is down! We have a winner! Vince looked kind of weak out there. He sure did. What's gotten into him? Bah, du coup, ils vont se dire qu'ils étaient truqués. I needed people to see that. To see that I ain't nothing without that juice. C'est honnête de ta part. I never had what it takes to be the champ. You deserve that prize, man. Thanks. You taught me what it means to be a fighter again. We love you, Vince! Tout seul. Thanks for putting it on the line for us every time! You're a true champ, man! It gives me great pleasure to announce that the winner of the Rainbow is... This is bad. This is real bad. Huh? Oh non, me dites pas que le prix a disparu. It's the Rainbow. It's gone. Oh putain, vous rigolez. And all there was instead was... this. Oh l'enfoiré. And this letter too. Looks like it's for you. Ou alors c'était parce qu'ils voulaient absolument qu'on parte pas sans eux. Du coup, ils nous forcent la main pour qu'ils viennent avec nous. Come and meet me in Dundrasil. I've something to show you. Don't worry about the rainbow. It's safe with me. What a shocking twist to end our tale, ladies and gentlemen. The grand prize snatched from under our champion's nose by none other than Old Man Rab! Will our hero journey to Dundrasil to claim what's rightfully his? How will it all end? I, for one, can't wait to find out! L'autre, il fait dans le spectacle jusqu'au bout. Dundrasil, huh? So it's back to where it all began. Thank you.